Sachez qu'il y a des gens qui payent des milliers d'euros pour avoir accès à la qualité du contenu que je vais vous montrer ici. Nouvelle journée, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai quelque chose de très intéressant et important à vous montrer. Regardez la vidéo jusqu'à la fin. Je vais vous montrer mon écran et je vais zoomer sur mon écran. Hop, je règle mise au point. Et si vous voyez là, c'est 2199,25 $. C'est un extrait des revenus du mois de janvier. Donc, ce n'est pas les revenus du mois de janvier en entier, c'est juste un extrait. Alors, d'où vient cet argent? Cet argent a été généré principalement en vendant des billets d'avion et des réservations dans des hôtels. Je n'ai pas une compagnie aérienne, je n'ai pas une chaîne d'hôtels, mais il y a des compagnies aériennes, il y a des chaînes d'hôtels qui proposent à des gens comme moi et comme vous, peut-être, de leur donner une commission pour chaque client qu'ils ramènent à leur entreprise. Par exemple, Air France, supposons qu'ils ont un vol qui va partir de Stuttgart à Paris, l'avion il va partir à tous les coups et ils ont des espaces, des places vides encore dans l'avion. Du coup, ils disent à des gens, regardez, si vous nous ramenez un client, on va vous verser 10% du prix du billet de l'avion. Par exemple, Stuttgart-Paris, ça va coûter 100 euros. Le client, il va payer 100 euros pour avoir sa place dans l'avion. Et si vous vous ramenez cette client-là, donc Air France va vous verser automatiquement 10 euros si le pourcentage de la commission il est à 10%, 15 euros si le pourcentage il est 15%. Et du côté du client, ça ne change rien parce que le client il va avoir le même service, la même place dans l'avion, ça ne change rien. Il va payer le prix exact du billet d'avion. Et pour Air France, ils seront contents parce qu'ils ont vendu le billet qu'ils ont et l'avion va partir complet. Il n'y aura pas des places vides qui vont engendrer peut-être des pertes pour la compagnie. J'ai donné Air France juste à titre d'exemple. C'est un système en fait qui est utilisé dans le monde par plein de compagnies aériennes et dans plein de domaines autres que les vols et les hôtels. Ça s'appelle l'affiliation. Alors, jusqu'ici, tout va bien, très bien. Donc, le principe, je pense, il est clair. Vous ramenez des clients, les clients achètent. Vous recevez des commissions, vous êtes tranquille, vous êtes content, vous avez généré du chiffre d'affaires. Mais le point qui est le plus compliqué, le point le plus difficile, c'est de trouver ces clients-là. Et c'est ce que je vais vous montrer dans cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous donner du contenu que sachez qu'il y a des gens qui payent des milliers d'euros pour avoir accès à la qualité du contenu que je vais vous montrer ici. Alors, comment on va trouver ces clients-là? C'est très simple, je vais vous montrer. Je vais aller sur Google et aller dans Google AdWords. Je vais vous montrer aussi mon écran comme d'habitude. Allez, je zoome. Voilà là, attendez. Voilà, ça c'est Google AdWords. Vous voyez, je suis sur l'outil qui s'appelle Keyword Planner, qui est un outil gratuit de Google AdWords. En gros, cet outil, qu'est-ce qu'il me permet de faire? Il permet d'avoir une idée sur les recherches qui sont faites sur Google. Donc, je vais aller, monsieur Google, je vais lui dire, monsieur Google, combien de personnes ont tapé vol pas cher, vol Paris pas cher, dernièrement sur votre moteur de recherche. Donc, Google, il me donne un graphique là avec les statistiques qui sont en fait les statistiques de recherche pendant l'année dernière. Et si je place le curseur ici sur le mois de décembre, donc je vois que uniquement pendant le mois de décembre 2016, il y a 2 375 250 personnes qui ont cherché sur Google vol Paris pas cher. C'est uniquement le mois de décembre. Est-ce que vous pensez que les gens qui vont taper sur Google vol Paris pas cher sont là pour acheter des tomates ou pour acheter des légumes? Non, c'est sûrement pas le cas. C'est des gens qui sont là pour acheter des vols pour Paris, par exemple, pour acheter aussi peut-être derrière une réservation dans un hôtel à Paris. Et c'est des gens qui sont même peut-être là avec leur carte bleue et qui sont prêts
pour payer leur billet d'avion pour aller à Paris dans 2 semaines, dans 1 mois, dans je sais pas combien de temps. Mais c'est des gens qui sont là avec l'idée d'un vendeur, d'un acheteur, qui sont là pour acheter le produit. Nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va profiter de ça pour rencontrer ces clients-là et on va leur dire, écoutez, voyez, il y a un vol qui va partir de votre ville à votre destination. Vous pouvez l'acheter si ça vous intéresse maintenant. Donc, c'est ça ce qu'on va utiliser. Donc, je vais voir, c'est que les gens qui vont taper vol Paris sur pas cher vont voir sur Google. Donc là, je vais essayer de vous montrer mon écran d'une façon plus confortable. Donc j'aurai la mise au point. J'espère que c'est clair, vous voyez. Hop, voilà, donc c'est 100% de transparence. Donc là, je suis sur google.fr. Je vais taper vol Paris pas cher. Donc voilà les gens, qu'est-ce qu'ils font? Donc qu'est-ce qu'ils vont voir? Donc ils voient les moteurs de recherche de vol sur Paris. Donc c'est 2 moteurs de recherche qui sont connus. Je vais juste régler la mise en point encore. Voilà, donc ils vont voir les sites qui sont connus, en fait les moteurs de recherche connus, pour acheter des vols vers Paris. Mais bah, si on va dans la page 5 ou 6, qu'est-ce qu'on va voir? On va commencer à avoir des résultats qui n'ont vraiment pas beaucoup de liens avec ce que moi j'ai tapé. Par exemple, là on voit des liens qui sont dans books.google.fr. Vous voyez? Donc c'est des liens qui n'ont rien à voir avec des vols Paris pas cher. Rappelez-vous que on a vu qu'il y a plus que 2 millions de personnes qui ont cherché pendant le mois de décembre vol Paris pas cher sur Google. Combien de personnes ont atteint la page numéro 6? Bah, le pourcentage, il est sûrement très faible parce que les gens s'arrêtent généralement sur la page 1 et 2. Mais vu que le nombre, il est énorme, c'est plusieurs millions de personnes, ça fait que le nombre, il devient important. Et nous, en fait, notre but, ce n'est pas de vendre des millions de réservations. Je règle la position de la caméra. Notre but, ce n'est pas de vendre à tout le monde, à ces 2 millions de personnes qui vont faire la recherche, de leur vendre tous des réservations de vol pour Paris. Notre but, c'est de leur vendre 10 par jour. Parce que si on fait les maths, 10 réservations à 100 euros par exemple, on a 10% de commission, on va recevoir 10 euros pour chaque réservation. 10 fois 10, ça fait 100 euros. C'est les mathématiques, c'est très direct, ça va droit au but. Donc, même être sur la page numéro 6, ça va pour nous. Ça nous rapporte de l'argent pour avoir un complément de revenus, pour avoir peut-être une dépendance financière derrière. Donc, le but, c'est d'arriver à la page 6 et la page 7. Et comme on a vu, donc Google, il commence à afficher des résultats qui n'ont rien à voir avec du vol. Donc, si nous, on arrive à créer un site qui est vraiment en lien avec la thématique vol pour Paris, ça va marcher. Et le point le plus important, c'est que ça, en fait, on peut le faire pas, c'est pas uniquement pour Paris. On peut le faire pour Paris, pour Londres, pour San Francisco, pour toutes les villes qui existent dans ce monde. Donc, du moment où on peut créer un site, le lancer. Et moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé d'automatiser ça. J'ai créé un site, j'automatise l'ajout de contenu sur mon site. Pour arriver ici, pour arriver à s'afficher ici, faut avoir un site, faut avoir un blog. N'ayez pas peur, ça se fait en minimum en 10 minutes. Ça se fait, je vous montre ça dans une de mes vidéos, je vous mettrai le lien dans la description. Ça va très vite, c'est pas du tout compliqué. Derrière, faut mettre du contenu qui est en lien avec la thématique qui est ici vol Paris pas cher pour monter dans ses résultats et arriver à la 6e page, 5e page, commencer à avoir des visiteurs sur le site. Si vous recevez par jour uniquement 1000 visiteurs sur votre blog qui parle de vols vers Paris, il y a 1000 personnes. Donc les 1000 personnes, chacun qui arrive, vous lui dites, écoutez, regardez, je vous propose, ces vols-là sont déjà en vente, profitez-en pour réserver. Si uniquement 10 personnes de ces 1000 personnes effectuent la réservation, c'est bon, vous êtes à 100 euros par jour. Imaginez si vous faites ça pour plusieurs villes, pour Paris, pour Londres, San Francisco. Et ça aussi, le même système, vous pouvez le faire avec n'importe quel autre produit, pour des produits sur Amazon. Imaginez si vous faites un site qui parle des appareils photo.
Donc ça va s'afficher aux gens qui vont acheter et rechercher sur Google les appareils photo. Donc supposons que les gens vont taper Canon G7X sur Google. Votre site va s'afficher, ils vont cliquer sur votre site. Sur votre site, vous allez leur dire, écoutez, vous pouvez acheter cet appareil photo sur Amazon. Vous allez les envoyer vers Amazon. Disons que Amazon vous paye 5€ pour chaque vente effectuée à travers votre site. Donc les gens, ils vont voir l'appareil photo. Donc c'est bon, ils vont faire leur avis pour acheter l'appareil photo. Ils vont revenir 3 jours plus tard. Là, c'est un point qui est très puissant. Ils vont revenir 3 jours plus tard, ils vont souvent se dire, ok, je vais l'acheter. Donc ils ont visité votre site, ils ont dit, ok, je vais faire mon avis, en fait, je ne vais pas l'acheter tout de suite. 3 jours plus tard, ils reviennent sur Amazon pour acheter l'appareil photo qui coûte 500€. Amazon, ils ont un système qui leur permet de se rappeler que c'est vous qui vous avez envoyé le client sur leur site. Et du coup, ils vont vous verser les 5% même si la commande a été faite 3 jours plus tard, même si la commande elle est faite une semaine plus tard. Et du coup, vous faites les calculs. Un appareil photo qui coûte 500€, qui est vendu sur Amazon, vous allez vous recevoir 5%. 5% de 500€, c'est 25€. 25€ dans la poche juste parce que vous avez créé un site web, que vous l'avez optimisé pour Google, qui s'est monté, qui a monté. Dans les résultats de recherche, vous avez reçu un visiteur, vous l'avez envoyé sur Amazon et voilà, vous avez reçu la commission. Maintenant, c'est comment faire ça, comment faire ce système, comment arriver à le faire concrètement. Parce que concrètement, nous, ce qu'on veut, il y a un client ici qui va acheter un produit. Donc, c'est une campagne X. Donc, il va acheter le produit, par exemple ici, à 100€. Donc le produit, il va payer 100€ pour l'avoir. S'il va directement sur Amazon ou Air France, donc ça c'est Amazon, ça c'est Air France ou toutes les campagnes. Il y a une autre méthode, c'est que nous on intercepte cette transaction de 100€, donc il passe par notre site et la boîte, donc ils vont nous verser par exemple un pourcentage, par exemple 10€ pour la transaction. C'est ça notre but, c'est ça le système, c'est comme ça que moi j'ai réussi à avoir les 2000$ que je vous ai montré qui sont juste une partie des revenus du mois de janvier. Donc comment on fait ça? Je vous ai dit, il y a un lien dans la description à partir duquel je vous montre, je vous prends par la main et je vous montre étape par étape comment créer votre site web en moins de 10 minutes, comment trouver les offres que vous allez mettre sur votre site web, parce que ça, c'est pas très évident. Vous n'allez pas dire à Air France, bonjour Air France, j'ai envie de vendre vos billets d'avion, est-ce que je peux le faire? Ça, je vous donne, il y a des sites qui sont faits uniquement pour ça, pour mettre la relation entre vous et entre des grandes entreprises, parce que les grandes entreprises ont autre chose à faire que s'occuper de vos problèmes. Donc ces sites-là, je présente un exemple qui est dans la thématique du voyage. Je vous présente aussi d'autres sites qui font la même chose. Et aussi, j'ai fait quelque chose de très important. C'est que pour apparaître là sur Google, on ne va pas se mentir, ça prend du travail. Il faut créer du contenu qui est en relation avec ces mots-clés-là. Pour que Google affiche votre site pour les gens qui vont taper vol Paris pas cher, faut que votre site ait du contenu qui est en lien avec vol Paris pas cher. Donc la difficulté, c'est de trouver du contenu à mettre sur le site, parce que comme j'ai dit, la création du site, elle prend 10 minutes. Pour trouver ce contenu, moi j'ai créé un logiciel qui le fait d'une façon automatique. En fait, je vais sur mon logiciel, je lui dis, écoute mon logiciel, j'ai envie d'avoir du contenu qui s'ajoute sur mon site d'une façon automatique, qui est en lien avec Paris, qui est en lien avec les monuments qui sont à Paris, qui est en lien avec Paris en tant que destination touristique. Là, je donne juste un exemple, je peux lui dire n'importe quelle autre ville dans le monde, je peux lui dire ajoute-moi du contenu qui est en lien avec les appareils photo, je peux lui dire ajoute-moi du contenu qui est en lien avec, je sais pas, n'importe quel autre produit. Et ça se fait d'une façon automatique. Donc moi, je vous donne la machine, vous la prenez, vous l'installez, vous la configurez, vous avez du contenu qui s'ajoute automatiquement sur votre site. Après, l'étape suivante, c'est d'optimiser le site pour monter le plus possible dans les résultats de recherche de Google. Vous avez sûrement compris que si votre site il est sur la première page de Google, ça n'a pas le même effet sur vos revenus
d'être s'il était à la page 7. Donc plus vous montez dans les pages, plus vous allez avoir des visiteurs, plus vous allez avoir des chances de convertir ces visiteurs en des clients en leur proposant les billets d'avion, en leur proposant les réservations dans des hôtels, en leur proposant des produits sur Amazon. Et là, vous allez commencer à avoir plus de revenus. Moi, j'ai fait la machine, vous la prenez, vous l'installez, vous la configurez. Après, vous optimisez le site pour Google. Et aussi, je vous montre comment optimiser, je vais vous montrer comment optimiser votre site de l'intérieur pour que vous assurez d'avoir un haut taux de conversion. Parce que quand le visiteur va arriver sur votre site, faut savoir comment le rediriger proprement vers le site où il va effectuer l'achat de l'avion, l'achat du billet de l'avion, la réservation de l'hôtel. Il y a certains gens qui disent que ce système n'est pas honnête, il y a des problèmes, je ne sais pas, c'est pas transparent. En fait, gardez en tête que le client, ça ne change rien pour le client qui est ici. Parce que lui, il va payer exactement le même prix pour le même service, que ce soit en passant par vous ou en passant directement au site de la compagnie aérienne ou de Amazon. Donc, il n'y aura pas une augmentation du prix, il aura exactement le même service qui est proposé. Il va recevoir la promesse de vente qui est donnée. Par exemple, quand il réserve un billet d'avion, c'est d'aller d'une ville A à une ville B, donc avec les qualités de service qui sont proposées par la compagnie aérienne. Vous n'en occupez pas. En fait, c'est la compagnie aérienne qui va recevoir la transaction au début. C'est elle qui est responsable de délivrer la promesse de vente. Et vous, en fait, d'un point de vue client, il va recevoir exactement le même service sans aucune différence pour lui. Il va voir aucune différence sur ce point-là. Et aussi, vous allez juste profiter de la transaction qui passe pour recevoir la commission. Et pour la compagnie aérienne ou Amazon, en fait, ils font ça pour avoir plus de ventes. Donc, eux, quand ils vont vous verser vos commissions, ils sont contents parce que vous avez ramené des ventes. Donc, vous n'allez pas leur voler leur argent. Donc, vous volez l'argent à personne. Donc, la transaction, elle passe d'une façon transparente et c'est la compagnie aérienne qui vous propose de vous payer de faire ça. Et ils sont contents parce qu'ils vont vendre plus de billets d'avion. Ils vont avoir des avions qui sont pleins en fait de passagers. Et du coup, ils vont faire plus du chiffre d'affaires grâce à vos efforts. Donc, c'est complètement transparent. Il n'y a pas de problème, il n'y a rien de malhonnête ici. Hein. Vous pouvez même vous renseigner, faire vos recherches. Il y a des grandes entreprises qui fonctionnent avec ce concept. Ah oui, je vais vous montrer quelque chose de très important. Il y a des gens qui ont pas vraiment, je pense, ils ont un peu du mal à voir ce qui se passe réellement sur Internet. Parce que l'opportunité qui est créée par Internet, c'est quelque chose, en fait, elle a changé le marché complètement. Il y a l'époque avant Internet, il y a l'époque après Internet. Maintenant, grâce à ce système-là, chaque vol qui passe, chaque avion qui passe dans le ciel, vous regardez, dans chaque avion qui passe dans le ciel, il y a en moyenne 300-400 passagers. Ces 300-400 passagers, avec ce système, c'est une opportunité de gagner, de générer 5 ou 10 euros sur chaque passager qui est dans l'avion. Donc, si vous profitez de cette opportunité, bien sûr, vous n'allez pas réussir à générer 5 euros pour chaque passager dans chaque avion dans le monde. Mais vous avez vu les chiffres, si vous arrivez à faire une partie de 0,00001% des gens qui effectuent des réservations, qui l'effectuent à travers vos sites, vous allez avoir 1000 euros, vous allez avoir 2000 euros, vous allez avoir un complément de revenus, donc des choses qui vont vraiment changer complètement vos finances. Personnellement, ça a changé ma vie, c'est pour ça que j'en parle. Le but, c'est que ça vous donne un complément de revenus comme point de départ et derrière, avoir une indépendance financière. Et ce que je fais, je ne suis pas le seul à le faire, c'est pas moi qui ai inventé le système, hein, ça existe. Et même Google, ils le font. Parce que, par exemple, là, si je vais sur Google, la première page de Google, je tape vol Paris. Voilà. Comme d'habitude, hein, 100% de transparence, je vous montre mon écran. Donc là, je suis sur google.fr et comme vous voyez, j'ai tapé vol Paris. Et vous voyez, qu'est-ce que Google me propose au début ? Google, ils ont vu cette opportunité. C'est pour ça qu'ils en profitent. Ils ont compris que moi, quand je tape vol Paris,
je cherche un vol vers Paris, j'ai ma carte bleue là pour acheter un vol vers Paris. Ils ont fait un site qui s'appelle google.fr/flights, je sais pas si vous regardez, oui vous allez vous regarder là. Donc qui, bah ici je tape la ville de départ. Si moi je dis j'ai envie d'aller de Stuttgart à Paris, je suis redirigé dans cette page qui fait partie de Google. Il fait partie de Google, il commence à proposer directement de vols, par exemple ici Air France. Vous voyez là le vol Air France, vous pouvez faire ça vous-même, hein. Vous allez voir, c'est la même chose, c'est la même expérience. Si moi je clique ici sur Air France, c'est bon, j'ai un petit bouton là. Attendez, c'est bon, c'est le vol aller. Maintenant ils me proposent le vol retour, ils ont optimisé leur système pour gagner à fond. C'est bon. Là il me dit réserver avec Air France, je sais pas si vous voyez ça. Voilà, c'est en fait c'est l'expérience telle qu'elle, 100% de transparence. Je vais même pas éditer la vidéo, je vais laisser ces passages là où je fais la mise au point, mais pour vous donner l'idée de comment ça se passe. Donc là ici il y a réservé avec Air France, la réservation elle coûte 99 €. Si je clique ici, c'est bon, je suis redirigé vers le site de Air France. La question maintenant que je vous pose, est-ce que vous pensez que Google font ça, que Google mette en avant des vols sur Air France juste comme ça parce qu'ils aiment bien Air France, ou parce qu'ils, pour eux Air France c'est une bonne entreprise et ils offrent un bon service, du coup ils mettent en avant les autres compagnies aériennes? Non, c'est sûrement pas le cas. Google c'est une entreprise et le but de l'entreprise c'est se faire du pognon. Là ce qu'ils font, c'est que je suis sûr et certain que si moi je continue à effectuer la réservation là à 99 €, Google ils vont recevoir une commission sur la réservation que moi je vais faire. Je ne sais pas la commission combien elle va être, mais sûrement Air France va verser une partie de la vente à Google parce que je suis arrivé sur le site de Air France en passant par Google. Nous, c'est ça ce qu'on fait avec notre système, c'est exactement la même chose. On va faire la même chose que Google. Google le fait à grande échelle. Google, c'est une entreprise qui est basée sur 99% de Google, c'est la pub. Il génère chaque année plus que 70 milliards de dollars grâce à la pub. Nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser le même système que Google. On va proposer aussi des vols comme ça et on va venir ramasser les petites miettes par rapport à ce que Google ramasse pour avoir notre complément de revenus. C'est ça, profiter des opportunités. Dans la vie, il n'y a pas de chance. La chance est un concept qui a été créé par les gens passifs pour trouver une justification à la réussite des gens qui travaillent. Nous, là aussi, là ici, on a senti une opportunité. On va en profiter pour avoir un complément de revenu. C'est ça, c'est si simple que ça. J'espère que l'idée elle est claire. Maintenant, la question c'est comment vous pouvez appliquer ça. Comment appliquer ça pour en profiter, pour arriver à la page 6 de Google? Comment créer votre site web? Comment ajouter du contenu d'une façon automatique? Comment créer 1, 5, 10 sites différents pour 5 thématiques différentes et avoir des commissions en vendant des vols, en vendant des produits sur Amazon, en vendant de la musique sur iTunes, en vendant toutes sortes de produits où il y a la possibilité de faire de l'affiliation? Tout ça, je vous ai expliqué dans une vidéo et je commence à le faire devant vous. Je vous prends par la main, je vous dis, regardez, on va le faire ensemble. J'ai filmé mon écran d'une façon plus propre qu'ici parce que si je voulais avoir de la transparence, c'est pour ça que j'utilise directement la caméra. Dans la formation, j'ai filmé mon écran en plein écran. Vous allez voir étape par étape comment je le fais. Le lien, il est dans la description. Et avant de finir cette vidéo, je vais vous demander un truc. Ce que je vous montre ici, peut-être ça ne vous intéresse pas. Peut-être vous n'avez pas besoin d'un complément de revenu, peut-être vous êtes déjà satisfait de combien vous gagnez chaque mois, vous êtes satisfait avec votre vie et que vous n'avez pas d'argent pour mieux vivre. Mais sachez que il y a sûrement des gens dans votre entourage qui auront vraiment besoin de ce genre d'opportunité pour débloquer leur situation. Personnellement, quand j'ai vu cette opportunité, je l'ai utilisée pour avoir un complément de revenu, pour pouvoir me payer les études que j'avais l'ambition de faire. Donc franchement, personnellement, ça a changé ma vie et c'est une des raisons pourquoi je fais ces vidéos-là. Donc ce que je veux vous demander, c'est de ne pas laisser cette vidéo s'arrêter ici. Partagez-la parce que vous ne savez pas combien de personnes sont dans votre entourage qui vont en avoir vraiment besoin. Ce que
que je montre ici, c'est une opportunité. Et le contenu que je vous viens de montrer là, la technique d'utiliser Google Keyword Planner pour voir, pour faire une, voir le marché, qu'est-ce qu'il demande, le volume de recherche, voir comment monter dans les résultats de Google, c'est des choses qui coûtent des milliers d'euros. Il y a des gens qui payent des milliers d'euros pour avoir des formations sur ça parce que vous voyez l'opportunité qu'il y a derrière. Donc, ne laissez pas cette vidéo s'arrêter là, à cet endroit-là, partagez-la avec les gens qui sont dans votre entourage. Ça peut sûrement les aider, j'en suis sûr, parce que personnellement, ces techniques m'ont aidé. Il n'y a rien d'illégal, il n'y a rien de malhonnête dedans. Hein. Je vous ai expliqué, c'est le même service. La preuve, Google font ça, Amazon font ça, toutes les grandes entreprises, c'est comme ça que ça se passe sur Internet. Malheureusement, le pourcentage des gens qui sont conscients de ça, le pourcentage des gens qui font le travail qu'il faut pour profiter de ce genre d'opportunité, il n'est pas très important. Et je suis sûr que sur Internet, il y a des millions de personnes qui cherchent une opportunité pour générer quelques centimes sur Internet, pour générer quelques euros. Mais voilà, ils ne savent pas cette opportunité-là. Du coup, partagez cette vidéo là, ça peut vraiment les aider. Moi, j'ai fini cette vidéo. Bah, avant de finir, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Je fais du business en ligne. Je suis en train de créer un projet qui s'appelle Pimp My Skills. Je documente ça tous les jours avec des vidéos au quotidien. Je partage les techniques et les méthodes que j'utilise pour créer ce projet. Pour créer ce projet, j'ai deux piliers de mon travail. Je travaille dur et j'ai une stratégie. J'en parle tous les deux, tous les jours, à travers mes vidéos sur ma chaîne YouTube, sur ma page Facebook et mes réseaux sociaux. Abonnez-vous, lancez-vous!